Plusieurs ministres en Gironde aujourd'hui, à commencer par Florence Parly, la ministre des Armées qui s'est rendue ce matin à l'usine d'assaut de Mérignac. La ministre des Armées a annoncé le lancement d'un nouveau standard de rafale visant à moderniser le fleuron de l'aviation française. Les premiers spécimens seront livrés dès 2023. Un programme d'1,9 milliard d'euros. À Bordeaux, ce sont François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui ont participé aux rencontres nationales santé-environnement. Ils ont annoncé une nouvelle stratégie de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Une liste des substances potentiellement dangereuses pour la santé sera dressée en 2021. Le grand débat national lancé officiellement aujourd'hui, les élus ont été sollicités par le gouvernement pour en être les relais. Ainsi, l'Association des maires ruraux de France a remis hier au président de la République une synthèse des cahiers de doléances de leur commune. Parmi les thèmes les plus abordés, la justice sociale et fiscale, mais aussi l'organisation politique et territoriale de l'État. Certaines villes ont elles aussi mis en place des cahiers de doléances. Après Bordeaux et Mérignac, c'est au tour de Villeneuve-d'Ornon d'ouvrir ses cahiers de doléances. Les avocats de plusieurs barreaux de Nouvelle-Aquitaine en grève aujourd'hui. Ils ont défilé avec leurs confrères dans les rues de Paris pour protester contre la réforme de la justice. La fusion des tribunaux d'instance et de grande instance ne passe pas. Ils dénoncent également une justice déshumanisée et éloignée du justiciable. À l'heure de la deuxième lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi de programmation pour la justice, ils demandent l'arrêt de l'examen de ce projet de loi afin que ce dernier soit pleinement intégré dans le grand débat national. À Bordeaux, les avocats ont manifesté devant le tribunal de grande instance en début d'après-midi. Ils ont été rejoints par plusieurs magistrats. Une navette ferroviaire entre Mussidon et Niversac devrait être mise en service fin 2021. Mais il faudra encore un peu de patience pour connaître les modalités exactes liées aux études commandées par la région et menées par la SNCF pour le Grand Périgueux. Les premiers travaux de la halte de Boulazac sont quant à eux programmés pour la fin 2019. Ce projet, qui fait parler de lui depuis 30 ans, permettrait de réduire le nombre de voitures dans l'agglomération de Périgueux. La Gironde et les Deux-Charentes dans le top 5 des plus gros consommateurs de glyphosate après l'Aube et l'Allier. C'est ce qu'il ressort d'une enquête réalisée par France Info. En 2017, les ventes de cet herbicide controversé ont été comprises entre 248 et 271 tonnes dans ces trois départements de Nouvelle-Aquitaine. Des chiffres qui interpellent au lendemain de l'interdiction de la distribution et de l'utilisation du Roundup Pro 360 prise par le tribunal administratif de Lyon qui a souligné le potentiel cancérogène de l'herbicide pour l'être humain. Les maires de l'arrondissement de la sous-préfecture de l'Espard, qui avait été incendié dans la nuit du 8 au 9 janvier dernier, se sont réunis cet après-midi pour apporter une motion de soutien au maintien de ce service de l'État. Les 37 maires qui ont signé la motion étaient présents à 15h ce mercredi pour la remettre au sous-préfet. Il ne s'agit pas d'une motion de soutien à l'État. Son but n'est pas non plus de stigmatiser qui que ce soit, mais bien de défendre un service public. La Nouvelle-Aquitaine touchée par la grippe, le seuil épidémique a été franchi dans la région en début de semaine. Selon l'agence sanitaire Santé publique France, la grippe s'est installée dans 8 régions françaises. Ce sont à 95% des virus de type A qui circulent, d'après le réseau Sentinelle. Depuis début novembre, 9 patients sont décédés de la grippe. La fabrique de lingerie indiscrète sauvée, l'offre de reprise faite par l'homme d'affaires périgourdin Michel Gouzon a été validée hier par le tribunal de commerce de Poitiers. Son offre de reprise s'élève à plus de 500 000 euros. Une bonne nouvelle pour les salariés de cette PME de Chauvigny après le suicide d'un de ses dirigeants en août dernier qui avait suscité de nombreux élans de solidarité. Prendre le petit déjeuner dans son établissement scolaire avant le début des cours, c'est désormais possible pour les collégiens des établissements Jeanne d'Albret et Clermont à Pau. L'objectif, éviter que les élèves ne débutent leur journée de cours le ventre vide. Une démarche mise en place par le département qui envisage d'ailleurs de l'étendre au collège Albert Camus de Bayonne.
Une cinquantaine de salariés de l'enseigne Castorama d'Anglet ont débrayé ce matin à l'appel national lancé par les syndicats CGT et FO de Castorama. Une mobilisation qui s'est déroulée au moment même où s'ouvraient de nouvelles négociations nationales. Parmi les revendications, une augmentation de 100 euros net des salaires, mais aussi 1000 euros de prime Macron. Ces négociations interviennent un mois après la fin des négociations annuelles obligatoires au sein de Castorama. Le recensement de la population commence aujourd'hui. Si vous faites partie des citoyens sélectionnés, sachez qu'un agent recenseur se présentera à votre domicile d'ici le 23 février prochain. Remplir le questionnaire est obligatoire. Les résultats du recensement servent à connaître la population vivant dans une commune et de ce fait à adapter les projets aux besoins de la ville, comme par exemple ouvrir une crèche, construire des logements ou encore développer les moyens de transport. Ce sont les murs extérieurs d'un véritable monument palois qui ont été démolis aujourd'hui, ceux des anciens magasins Larayet situés en centre-ville. Si les travaux de démolition ont commencé en début d'année, ceux de ce matin, beaucoup plus impressionnants, ont attiré bien des curieux. Le terrain accueillera une résidence senior livrée en juin 2020. La passerelle de la gare LGV d'Angoulême ouvrira mercredi au public en préambule du festival de la bande dessinée. Elle a passé en début de semaine des tests statiques mettant à l'épreuve sa solidité. Hier, une quinzaine de personnes ont participé cette fois à des tests dynamiques pour voir comment la passerelle de 145 mètres de long réagissait à des mouvements de foule, le tout sous la houlette d'un ingénieur en génie civil. Des capteurs installés tout au long de l'ouvrage ont permis de recueillir différentes données. Les travaux reprendront à compter du 29 janvier. Et sitôt le festival de BD achevé, et ce pour une durée de 2 mois. 24 millions d'euros, c'est la somme qu'Airbnb va reverser à 23 000 communes françaises au titre de la taxe de séjour. En Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux est la ville qui encaissera le plus d'argent, à savoir 660 000 euros. Vient ensuite La Rochelle avec pas moins de 300 000 euros, suivi par Biarritz, Arcachon et Lacanau.